Comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va plutôt pas mal. J'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, ce sera un haul où je... Un haul où je sais pas comment dire. Je vous montre en gros ce que j'ai acheté durant ma journée shopping avec mes deux amours dans une zone commerciale. Je pense qu'il faut y aller là. Allez, on y va. Nous allons. Alors, effectivement, je ne sais pas comment j'ai réglé la caméra, mais vous allez savoir tout de suite qu'est-ce qui tient ma caméra. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Hein? Moi non plus, je n'étais pas prête. Bon, bref. Donc, nous commençons. Nous commençons, nous commençons. Nous allons commencer par le magasin normal. Qui dit normal? Oui, ben normal. Donc c'est simple, je vous montre ce que j'ai acheté. Et si je retrouve le ticket de caisse, parce que souvent, ben, du coup, monsieur ne prend plus les tickets de caisse. Et c'est lui qui est passé en caisse. Et du coup, pour vous montrer les tarifs, c'est un peu compliqué en fait. Mais bon, on va essayer de faire comme ça. Je vais essayer de vous dire à peu près ce que je me rappelle. Souvent, ça va être complètement faux ou ça va être vrai. Un juste prix, quoi, on va dire. Voilà. Allez, on commence. Alors, nous commençons. Donc, je vous signale, il y a moi, mon homme et mon petit de 6 ans. Donc, il y a un peu de tout, quoi. Nous commençons par des Jolly Rancher Gummies. Voilà, cette chose, quoi. Ça doit être, je pense, des chewing-gums ou... Ouais, des gummies, des gommes. Voilà, des gommes au sucre, comme c'est marqué. Eh bien, écoutez, en français, c'est Jolly... C'est pareil, quoi. Jolly Rancher, gomme. Voilà, donc je pense que ce sont des gommes au sucre. Des bonbons, du sucre. Voilà, tout ce qu'il y a de bon pour... Le cœur. Allez. Ensuite, oh bah c'est encore mieux. Des mini Oreo. Donc voilà, c'est dans un petit pot comme ça. Donc là, je peux pas du tout vous dire les prix parce que je n'étais pas dans le même rayon qu'eux. Eux, ils avancent beaucoup plus vite que moi. Je comprends pas pourquoi. Donc oui, ça c'est des mini Oreo original. Voilà. Tout simplement. Le classique. Ensuite, toujours dans les bonbons. J'ai pris un petit sac comme ça de Mentos alors qu'on en a encore à la maison et ils ne les mangent pas. Voilà. Ça s'appelle un homme. Enfin, moi je dis comme ça. Donc classique. Ensuite, cette chose. Donc Sun Loli. Donc 8 papa, 8 para, 8 polo para congélard. Au cola, donc c'est des glaces au cola, goût cola, donc à mettre au frigo. Ah, il y a le français juste derrière, donc c'est mieux, hein, 8 glaces à congeler chez soi. Voilà, goût cola. Donc c'est des glaces de 60 millilitres. Franchement, bah, dites-moi-le en commentaire, hein, si vous voulez savoir si c'est bon, on vous le dira avec plaisir. Je vous répondrai avec plaisir. Ensuite, alors, 1, 2, donc il m'a pris 2 Capri Sun, alors ça, 90 centimes ou 99 centimes, bref, c'est pas 1 euro, c'est en dessous d'un euro, donc je ne sais plus si c'est 99 ou 90, mais donc, c'est les grands Capri Sun comme ça de 330 millilitres, donc vous avez orange pêche et 3 multivitaminé. Voilà. Et franchement, ça c'est cool. Enfin, moi je vois Didi, mon petit, lui il prend ça avec la paille là. Et bah, moi, franchement, ça pour le boulot, franchement, c'est pas mal. Toujours en boisson. Donc mon homme, il adore celle-là. C'est les Arizona. Donc je pense que tout le monde connaît. Donc il y en a chez Normal, il y en a chez Action en canette, il y en a même à Leclerc, je crois. Voilà, donc il a pris Mucho Mango et Green Tea Pomme Grenata.
pommes grenades, quoi. Voilà. C'est ça. Ensuite, nous passons à la beauté. Donc, je reprends parce que ça, il y en avait. Alors, c'est mon dentifrice de Nivit. Ça, c'est une tuerie. Dentifrice de Nivit et c'est le anti-tache. Oui, merci Google pour me traduire un peu le truc. Parce que même sur l'étiquette d'explication en français, il ne marque pas que c'est l'anti-tache. Bon, bref. Déçu parce qu'à Action, avant, ils le faisaient, ils ne le font plus. Et donc, à Normal, ils le font encore. Et il est toujours moins cher qu'à Leclerc. Attention, il est beaucoup moins cher que bon, dans mon magasin où je fais les courses. Après, vous, je ne sais pas. Donc, j'en ai pris deux. Un petit déo Dove, voilà, tout simplement, il y avait plusieurs senteurs, j'ai pris l'original, et vous avez vu le réflexe, voilà. Monsieur a pris de la glu, du gel pour les cheveux Good to be, Water Resistant Speaking Gel, voilà, et Force 6, ça je peux pas vous dire, franchement je mets pas de gel. Personnellement, je n'en mets pas. Je peux pas vous dire. Ensuite, alors ça, je sais plus le prix. C'est 3 euros quelque chose. J'ai trouvé même ça cher. Alors pareil, mon conjoint et mon fils adorent les bandes de bain. Et je les ai trouvés. Ils sont un peu plus de 3 euros. Franchement, j'ai trouvé que c'était cher. Après, c'est peut-être de la bonne qualité. Hein, je ne sais pas. Je doute. Je doute. Aromacologie à la camomille et celle-ci, la blanche, eh ben, c'est pas marqué. Voilà, donc après, je sais pas réellement leur compo parce que c'est écrit en tout petit, mais j'ai trouvé ça, ouais, plus de 3 euros. Bon, ils m'ont pris deux. Et dernier article. Mon démaquillant préféré. Alors, ouais, celui-ci, c'est une tuerie. Il a la pêche, il sent super bon. Super bon. Super bon. Et il démaquille de ouf, quoi. Donc, je mets ça, vous voyez, surtout quand je fais un gros make-up. Je mets ça, je blinde. Il ne... alors après, je sais pas si elle est bonne la compo. J'en sais rien, je l'ai jamais testé. Par contre, je sais qu'il est bien et efficace. Mais il ne me brûle pas la peau. Et puis après, je vous dis, hein, tout de suite après, de toute façon, je vais à la douche et je nettoie ma peau avec un nettoyant pour visage. Et voilà, c'est fini pour le magasin Normal. Passons au magasin Stokomani. Ouais. On n'a fait que des magasins comme ça, en fait. Vous savez, ou que vous achetez des trucs et que vous savez pas si vous allez vous en servir. Et surtout, des choses bizarres que vous voulez goûter alors que vous savez pas si ça va être bon. Bref, on n'a fait que des trucs comme ça. Donc, Stokomani. C'est gros. Alors, il y a déjà quelque chose qui est parti. C'est de petites... comment on pourrait appeler ça? C'est des tiges en métal avec des petits gugus. Donc des abeilles, des coccinelles. Franchement, hyper belles. Si j'ai le temps, je vous filmerai. Parce que c'était pas pour moi, c'était pour notre tata. Et elle adore mettre des petits gugus comme ça dans son jardin. Donc si j'ai le temps, je vous filmerai et je vous mettrai une petite photo juste là. Et c'est 1,99€, je crois, 1,90€, le petit gugus. Et bon, franchement, ils sont pas mal. Ils ne s'allument pas, c'est ouais, en métal. Voilà, en métal, ouais, je crois que c'est métal. Ouais, ça doit être ça. Puis vous avez des grenouilles, des abeilles, des... Voilà, donc il y avait ça déjà. Ensuite... Alors oui, il n'est plus dans le carton, parce que justement... J'en avais plus pour filmer. J'en avais besoin. J'ai cassé ma lumière. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je l'ai fait tomber. Et bref, elle a pété. Donc, bah, il m'en fallait une. Là, je vois celle-ci. 8
8 euros, je crois. 7,90 euros, enfin, voilà, 8 euros, quoi. Et là, en voulant l'installer... Alors, je vous mets la vidéo. J'ai eu le temps de prendre une vidéo et le temps que ça marche, quoi. Que le temps que... voilà. Et en voulant mettre mon téléphone, le trépied que vous voyez a pété complètement, mais en mille morceaux, quoi. J'ai pu récupérer la lampe. Et j'ai un trépied qui tient pas, quoi. Qui est de traviole. Et puis, de temps en temps, si vous voyez que ça fait ça, autrement, je couperai la vidéo, hein. C'est que, ben, du coup, ça tient pas. Donc, il faut que j'en rachète un de bonne qualité, je sais. Mais j'attends de voir si les vidéos, ça fonctionne. Sinon, ça sert à rien que je rachète du matériel à gogo, quoi. Comprenez-vous. Donc, déjà ça, tu vois, et j'ai plus que la moitié du truc. Mais tout va bien. C'est quoi tout ça? Un peu de vêtements. Alors, j'ai pris ça pour mon petit doudou qui aime bien tout ce qui est manga, jeux vidéo et tout. Donc là, bah, c'est Dragon Ball Z. Voilà. Du de valeur. Donc, c'est bien parce que les fringues, normalement, il y a l'étiquette. Voilà. 7,99 €. En coton, franchement, j'adore. Voilà. En taille 8 ans. Après, j'ai pris... Alors, il y avait des stockages Calvin Klein. Mais j'ai pas l'habitude de mettre des fringues chères. Donc, pourtant, pour Calvin Klein, c'était pas cher. Si vous voulez, 39,90 €, je crois, la jupe, le short, le jean, ils étaient à 60 €, les jeans. Les hauts étaient à 15 €. Mais, c'est pas mon style, quoi. Vous savez, c'est les débardeurs, leurs petites bretelles, donc ça cache pas les gros bras. Et puis, crop top, quoi. Donc, Non. Donc, il y avait Calvin Klein, il y avait Tommy Hilfiger, excusez-moi. Pas mal de marques, hein. Franchement, pas mal de marques. Et Only, et j'aime bien Only, c'est pas trop cher, mais je trouve que c'est de la bonne qualité. Et donc, de chez Only, j'ai pris ce petit pull fin, voilà. Alors, j'ai pris M, parce que franchement, il fait vachement large. J'ai dit, je vais pas prendre S. Déjà, M me fait large, mais je vais pas prendre S non plus. Et donc, c'est une taille M. Et d'une, voilà, hein, l'étiquette Only. Et d'une valeur de 14,99 €. Et je suis curieuse de voir le prix. Ah ben, je vais pas voir. Là, je vois 24. Mais est-ce que c'est le prix français? Je dois y arriver. Si, c'est ça. EUR, donc Europe. 24,99 €. Donc, en fait, on gagne 10 €, quoi. Et franchement, je trouve la qualité. Franchement, il est beau. Il est beau, je trouve assez bien coupé. Franchement, il est top. Voilà. Toujours dans les vêtements, j'ai adoré la couleur. J'ai adoré la couleur, mais je sais pas si je vais le mettre. C'est malheureux. Toujours Only, voilà. Et là, 9,99 €. Et c'est un petit haut. Alors par contre, là, j'ai pris XL. Parce qu'on voit que c'est près du coin, et ça, je n'aime pas du tout. C'est un petit haut comme ça. Donc vous avez un petit col foncé. Voilà. Pareil pour les manches. J'aime bien les manches comme ça. Et à la taille, voilà. C'est comme ceci. Et franchement, j'ai bien aimé la couleur. Donc j'espère qu'il va m'aller. Et donc au lieu de 9,99 €, enfin il était à... Est-ce que je vais réussir à avoir comme l'autre? Eh, il était plus cher que le pull. C'est pas logique leur truc. 20. Ah! Plus cher que le pull. Je sais pas si vous allez voir. 29,99 €. Alors, 29,99 €, il passe à 9,99 €. Et le pull, 24,99 € passe à 14,99 €. Je me suis fait avoir, non? Bon, bref, non. C'est toujours des bonnes. Des bons déstockages, quoi. Ça vaut le coup et c'est de la qualité. Franchement, j'adore.
château. Toujours un vêtement, c'est pour mon petit bonhomme, c'est un petit maillot de bain, voilà, de la marque, je ne connais pas, Statue Bitch, et je l'ai payé 5,99€, voilà, 5,99€, Statue Bitch, avec des petits bateaux, des ancres et tout, et non, je sais pas si ça vaut, ça, ça te fait rire, bah, pourquoi ça te fait rire? Un maillot de bain, Didi. Là, tu vas aller à la piscine avec papy et tout. Il faut bien un maillot de bain. Oui, mais il est rigolo. Il est rigolo? Bah, c'est des petits bateaux, des petites encres. Attends, il y en avait des multicolores et tout. J'ai dit non, peut-être pas quand même. Parce que toi, t'aimes bien être discret. Continuons. Donc là, c'est pour la maison. C'était, alors ça, c'est mon homme qui a pris ça. Des languettes adhésives de fixation x8. Fixées sans trous. Enlevé sans trace, c'est pour les cadres. Alors, on verra bien comment ça fonctionne. Voilà, c'est comme ça. Je n'ai pas le prix. Là, par contre, j'ai le ticket de caisse, donc je vais pouvoir vous le mettre ici ou ici, selon ma tranche. Et voilà. Donc, c'est pour fixer les cadres ou de choses pas trop lourdes, je pense. Je pense. Oui, alors pourquoi j'ai des adhésifs de cadres? Donc, mon chéri, il pense quand même à tout parce que j'y pensais plus. J'ai voulu faire une surprise à mon Didi. J'ai commandé sur AliExpress un Diamond Painting Pikachu. Regardez la beauté. Regardez la beauté. On ne voit pas avec la red light. Alors, il est magnifique. On ne voit pas, il brille de mille feux. Bon, le seul truc, c'est que j'ai acheté un cadre, mais pas assez large. Vous voyez, on voit encore les numéros avec les couleurs de diamant. Mais alors, il est super beau. Donc, il faut que je rachète un cadre avec l'entourage plus large. Parce que je vois que ça à faire. Autrement, je ne comprends pas. 50 par 70. Et je l'ai payé une vingtaine d'euros. Ça fait quoi? Bah, parce que ça fait pas bon, tu vois. Bah non, là, regarde, tu vois tous les petits dessins pour expliquer. Mais ça fait quoi? Donc, franchement... AliExpress Diamond Painting. Bon, je vous avoue, c'est pas moi qui l'ai fait. Oula, ne tombe pas. Hein. Je peux leur dire quoi? Bah oui, je vais leur dire que c'est Tintin. C'est pas moi qui l'ai fait parce que j'ai pas le temps, je travaille. Et puis franchement, le peu de temps que j'ai, Diamond Painting. Non, mais moi, passer des heures comme ça là. Un diamant par un diamant. Franchement, ceux qui font ça, chapeau. Donc, du coup, elle me demande même si j'ai pas des trucs à faire et tout. Donc, je lui ai proposé de faire le Diamond Painting Pikachu. Et elle me l'a fait avec plaisir en une semaine. Voilà, la dingue. Donc, c'était la petite anecdote de pourquoi nous avons acheté des supports adhésifs. Alors, ça, c'est pour mon Didi. C'est, vous savez, le sable magique. Donc, en fait, il en a plein. Oui, alors, il a 6 ans, il adore faire ça. Et donc, il en a plein, il a plein de moules. Mais c'est vrai que bah, il m'en fout un peu partout. Il en fout un peu partout chez papy. Et à force, bah, tu vois, c'est tombé par terre. Tu ne vas pas lui remettre dans le pot, en fait. Hop, poubelle. Et du coup, à Stocco, donc je pense aussi à Leclerc et tout, mais franchement, ils n'étaient pas chers, 1 euro quelque chose. À Stocco, ils te font des pots. Que des pots de sable, quoi. Du vert, du orange, il n'y avait que ces couleurs-là. Dommage. Et bon, t'as le moule qui est intégré, quoi. C'est un petit moule. Mais le plus important, c'est le sable qui est à l'intérieur. Donc, on a pris 2 oranges et 2 verts. Voilà. Continuons. Ça, c'est monsieur. Il a pris 3 bouteilles comme ça. Donc, c'est de la limonade Zitron. Et c'est des bouteilles XXL de 3 litres 1. Pas à savoir qu'est-ce qu'il fout là, le 1, mais c'est 3 litres 1. Et apparemment, c'est pas mal. Et il n'y a pas de sucre. C'est zéro sucre. Bon, il y a de l'aspartame, c'est pas mieux non plus. Franchement, moi, de toute façon, je ne bois pas de ça. Je suis beaucoup eau. Mais après, bah, il aime bien. Hein. Et d'habitude, on les achète parce que t'as même orange et coca. Mais coca, il aime pas. Hein, cola. Voilà, cola.
Lui, c'est coco. On les achète chez B&M. Et là, il les a trouvés à Stocco. Donc, ben voilà, on a pris, quoi. Ensuite, des éponges, parce que j'avais plus d'éponges, tout simplement. Voilà. Et du Stop Insect, barrage aux insectes pour corps et visage. Bon, je ne mettrai pas ça sur mon visage, mais j'en mettrai au niveau de mes vêtements, car si vous ne connaissez pas encore, je travaille en extérieur. Et là, avec les jours à venir, où il va faire beau, vu qu'on n'a pas eu d'hiver, je vous explique pas comment ils vont venir nous embêter. Les stigmons, les mouches, les pucerons, les guêpes et les tout. Les vers de terre. Bah oui, les vers de terre, tout à fait. Les vers de terre. Mais bref, donc du coup, je vais essayer celui-là. J'en avais un que j'avais acheté à mon Leclerc. C'était un machin bio, mais alors il puait. Alors là, c'était efficace. Je vous dis, il n'y a personne qui m'approchait. Même mes collègues ne m'approchaient pas. Bref, là, j'ai vu ça. J'ai vu 6 heures. Et surtout, j'ai vu corps et cheveux testés dermatologiquement et tout. C'est français. C'est BOP, répulsif multi-insectes. Un seul actif 100% d'origine végétale. 6 heures de protection, efficacité prouvée. Voilà, donc on va tester ça. Voilà, mais c'est surtout, bon, je vois visage et corps, mais je ne mettrai pas ça sur mon visage. C'est vraiment sur mes vêtements de travail pour être au moins tranquille, j'espère. Voilà. Alors, et là, c'est fini pour Stockomanie. Nous allons continuer avec Rituel. Alors, Rituel, je vous explique, il n'y a pas beaucoup, il n'y a que 2 articles. Un qui est déjà dans la voiture, mon homme, c'est en fait, il avait acheté à Noël le diffuseur de parfum pour voiture. Et donc là, on a racheté les recharges, car c'est vrai que ça sent extrêmement bon et ça dure super longtemps. Et donc, bah, du coup, il a voulu me faire plaisir et pour ma voiture, il m'a acheté le senteur de voiture de l'odeur Sakura, vous savez, le premier, le basique. Et franchement, j'adore l'odeur, c'est un truc de dingue. Et donc, je vous montre tout de suite. Donc, c'est un diffuseur comme ceci. Voilà, en imitation bois. Donc après, là, je retire la languette et j'ai déjà la recharge qui est en route. Et à l'intérieur, vous avez une deuxième recharge et l'attache que pour le mettre à la voiture. Voilà. Et donc ça coûte 20,99€. Et les deux recharges, c'est 15,99€. Et en plus, là, il y avait 10% sur les recharges, quand on achetait les recharges. Donc c'est parfait. J'avais un bon de 10€. Donc, bah voilà, quoi. Ça ne nous a pas coûté bien cher. Mais c'est vrai que ça sent hyper bon dans les voitures et ça dure super longtemps. Voilà. Ensuite, bien sûr, ce n'est pas fini. Bon, là, c'est un article très important à mes yeux, c'est le cas de le dire, et très important pour nous, moi et mon conjoint, qu'on a acheté pour Didi. C'est qu'en fait, Didi, alors, a une bonne vue, mais commence, ben, à son âge, c'est normal, et puis la génération qu'on a hein, maintenant, c'est commence à regarder ben, la télé et à jouer surtout à la console. Donc, on a décidé, malgré qu'il avait une bonne vue, donc c'est un peu de la prévention que je suis en train de vous faire, c'est on lui a acheté des lunettes pour la lumière bleue. Donc, on a été chez un opticien, donc notre opticien habituel, Chris. Voilà, je ne sais pas si vous avez un Chris ou quoi. Et donc, bah voilà, monsieur a décidé, a pris ce petit modèle-là. Donc, nous sommes, vous voyez, la lumière, elle est bleue, c'est marrant. Regardez, et moi, alors je fais ça pour mon fils, et quand vous regardez mes lunettes, j'ai pas la lumière bleue dessus. Ouais, je fais ça pour mon fils, mais je fais même pas ça pour moi. Mais bref, alors voilà, il a pris, alors elles sont bleu marine et intérieur orange, et franchement, ça lui va bien. Il est rigolo avec ça, il veut même les prendre pour l'école, parce qu'à l'école, maintenant, ils ont des grands écrans. C'est plus
C'est plus les tableaux noirs comme nous on avait à l'époque. C'est vraiment des écrans, quoi. Ils sont toute la journée devant des écrans. Donc j'ai posé la question, on m'a dit que non, il n'y avait pas de conséquences. Mais quand je vois que mon fils est vraiment au premier rang et vraiment tout devant et voilà, qu'il passe la journée dessus, je me dis que je vais peut-être lui laisser les prendre justement pour l'école. Et donc on a payé ça 39 euros. Ça doit être ça, voilà. Elles sont traitées lumière bleue, ça ne change pas du tout sa vue qui, de toute façon, il n'a pas du tout besoin de correction. Et bah voilà, hein, c'est comme des lunettes normales. On peut aller les voir pour les resserrer, pour... Puis bon, bah peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, il faudra changer la taille. Qu'est-ce que tu veux? Ah, tu veux les mettre, mon lapin? Tiens. Ah, oui. Oui, et on lui a bien expliqué qu'il y a la petite chiffonnette. Il ne faut pas mettre ses doigts dessus. Bon, après, c'est la première fois qu'il a des lunettes. Il a 6 ans. C'est pas évident, évident, mais il est content avec ça. Il nous a pas du tout... On lui a expliqué que c'était pour son bien, que c'était pour ses yeux. Et il n'a pas du tout rechigné, il a dit « Ok, d'accord ». Puis je pense que le fait de choisir ses lunettes, de tester, alors on lui a fait tout tester, on lui a dit, parce qu'à la base il a pris celle-là et il a dit « Je veux celle-là ». Mais je dis « Mais teste des rondes, des carrés, des enfin voilà, de différentes formes, hein. Il y avait toutes les formes, toutes les couleurs aussi, du bleu, du vert. Du... » Et non, il a tout testé, il a dit « Non, c'est celle-là ». Donc voilà. Il me fait trop rire parce qu'il aimait et puis il passe la chiffonnette comme ça. Mais voilà, c'est un peu de la prévention, mais non, c'est très important parce que ben, c'est vrai qu'on a une génération maintenant avec les écrans. Donc voilà, nous sommes arrêtés chez un opticien. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, on finit par... On finit par quoi? Micromania. Eh oui, alors nous sommes une famille de gamers, on adore les mangas, on adore les jeux vidéo, voilà, ben on est comme ça. Et donc on a fini par Micromania. La grosse pop, bah oui, parce que mon Didi fait la collection des pop, donc il en a des toutes petites et il en a des grosses. Et bon, bah il va falloir refaire la vitrine. Donc après, c'est un collectionneur. Collectionneur, il ne déballe pas. Ça, le carton, là, c'est sacré. On ne l'ouvre pas. On n'abîme pas le carton. Après, c'est son choix. C'est à lui. Il en fait ce qu'il veut. Mais, voilà, on accepte. On accepte et puis on n'a pas le choix, de toute façon. Bon, bref. Et cette petite figurine, nous l'avons payée 24,90€. Ça, c'est pour monsieur. Donc, c'est... Des petites boîtes de mini pop. Voilà. Tortue Ninja. Et donc, il a fait exprès d'en prendre 3. Parce que si vous voyez, là, on est déjà 2 de Tortue Ninja. Là, il y en a une autre. Et là, il y en a 4e. Comme ça, il a déjà toutes les Tortue Ninja. Et ensuite, vous avez donc 3 pop que vous voyez. Et vous en avez une mystère. Et vous avez toute la collection à avoir juste ici. Voilà. Donc, le petit, il collectionne les grosses pop. Et le papa, il collectionne les mini pop. Et... Ta-da-da. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Nous avons trouvé des Miam Box. Donc là, c'est une Miam Box asiatique. À 24,99€. Et en fait, à l'intérieur, donc c'est le volume 5. Donc le vendeur nous a expliqué qu'en fait, ils avaient pas mal de boîtes Miam Box. Et là, cette fois-ci, c'est le volume 5. Après, ce sera le volume 6. Enfin, il change, quoi. Voilà, naturellement, parce que si c'était tout le temps la même, ben après, il la vendrait plus. Et donc, je vous lis ce qui est marqué derrière. Qu'est-ce que la Miam Box? Un concentré de goût asiatique dans une boîte. Retrouvez les gâteaux, snacks, limonades, bonbons et ramen. Tout est en provenance du Japon, Corée ou Thaïlande. Vous aurez aussi des cadeaux de vos animés préférés. La Miam Box a tout ce qu'il faut pour rigoler, régaler vos sens. Voilà. Et donc, il y avait une plus grosse. Mais comment vous dire que je ne suis pas trop tentée asiatique. Donc, il y avait une autre,
comment dire, un autre étang. Et donc, il y avait également la Miam Box plus grosse à 39,99€ des États-Unis, enfin américain quoi. Voilà. Donc, je vous lis pareil. La Miam Box part à la conquête de l'Ouest. On vous propose une sélection de snacks, sodas, bonbons et de la viande séchée pour une immersion totale. Des produits venus d'outre-Atlantique pour vous régaler et retrouver l'ambiance de vos séries américaines favorites. Faites confiance à nos experts et surtout, enjoy. Voilà. Et donc, si vous voulez voir une dégustation, nous ferons une prochaine vidéo de Miam Box. Voilà. Et voilà, la vidéo est terminée. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, tout ce que vous voulez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre la cloche pour voir les prochaines vidéos. Et surtout, de vous abonner. Voilà, ciao!